Est-ce qu'aujourd'hui vous avez passé une bonne journée avec votre maman? Oui. Est-ce que c'était un bon moment? Oui. Est-ce que je me suis bien occupée de vous? Oui. Est-ce que je suis une bonne maman? Oui. Ou je peux mieux faire? Oui. Je peux mieux faire ou je suis parfaite? T'es parfaite. Calice, je peux mieux faire ou je suis parfaite? Parfaite? Oui. Tu m'aimes? Tu m'aimes comment, mon amour? Pourquoi il fait tout comme moi? Bah, je sais pas. Calice? Ah, peut-être il a une raison de faire caca. Qu'est-ce que tu racontes, ma vie? Calice, tu m'aimes comment? Jusqu'à où? Tout en haut? Oh, mon amour, je t'aime aussi, mon amour. Le chat, ça va, ta vie? Toi, t'as passé une bonne journée, mon amour, toi aussi? Mon cœur? Oui, ma vie. Toi, comme maman, elle est triste, t'es tout le temps à mon chevet. Toujours là, soit quand je suis triste, soit quand je suis enceinte. C'est la première personne à être là. Tu veux faire un bisou, mon cœur? Tu fais un bisou au chat? Bisous du nez. Oh, je t'aime. Tu m'aimes? Je t'aime. Bisous du nez. Sous les colis. Ici. C'était mon amoureux. La bouche. La bouche. Ok. La bouche. Et j'ai commencé aujourd'hui du coup. Donc je te dirai dès que j'ai fait une semaine. Poupette, je vous jure, la tête que j'ai. Et le menu quick là, je le vois dans les pour toi. Vous savez sur le challenge. Tu veux monter? Vous savez sur le challenge. Il est tard, mes amours, faut qu'ils aient dormi. Vous savez, sur le challenge où tu manges là et tu cours. Oh, j'ai trop envie de le faire, les filles, je le vois dans les pour toi. Et je vous jure, j'ai envie de l'avaler. Genre, en gros, c'est un des trucs qui me manque le plus en France. Là, j'étais en train de regarder les décos en France. En gros, les décos d'appart. Et là, les décos de Action, ça me manque. Il y a trop de trucs qui me manquent. Là, Inch'Allah, si je fais un nouvel appart. Enfin, quand je vais prendre un nouvel appart, je crois que je vais ramener plein de trucs de mon appart en France. En conteneur. Juste pour avoir cet esprit, parce que là je peux plus les décos de Dubaï, trucs de Dubaï, trucs dans les murs et tout, je supporte plus. Je ferme. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Si vous êtes de passage à Dubaï, vous avez un quick. Si vous êtes belle, il y a beaucoup de quick là-bas. Si vous êtes de passage de Paris et tout, les filles, pour penser à moi, ramenez-moi ça. C'est là-bas. Poupette, c'est très chaud. C'est chaud. Attention. Cachez-vous. Ça, mes poupettes, si vous voulez perdre du poids, rétention d'eau, ballonnement, ventre et tout, ça là, pour avant l'été, c'est le meilleur investissement de votre vie. Ça fait 5 ans que je travaille avec eux, ça fait 5 ans que ça n'a pas bougé. C'était ma première collab limite Wonder Nana, ça fait tellement longtemps. Tellement poupettes satisfaites que tous les ans, ils me reprennent. Attendez, ça, comment ça, ouais, toi, tu confirmes là, tu vas faire passer maman pour une mytho. Et donc, du coup, ça là, mes poupettes, ça coûte même pas 10 euros avec mon code. Je vous jure, c'est des tés 100% naturels, Made in France et tout, ils sont incroyables. Donc la cure express, les filles, dedans, parce que vous en avez plein, vous n'avez que de cerises, ça c'est pour les femmes enceintes allaitantes, vous pouvez, pour la rétention d'eau, les ballonnements, le ventre postpartum et tout. D'ailleurs, j'ai utilisé ça pour mes enfants. Et vous avez la cure express, quand j'ai accouché de vous, mon amour. La cure express, les filles, donc c'est un mélange d'herbes, de thé et tout ça et tout. Et ça, les filles, interdit femmes enceintes allaitantes. Vous savez, les filles, ça, prenez-le ce soir. Toute la nuit, vous êtes aux toilettes. Genre, c'est bien de le prendre la journée. Comme ça, vous vous videz. C'est très détox, brûle graisse.
T'as dit quoi, Mali? Tu peux pas faire le placement quand il pleure. Tu peux pas faire le placement quand il pleure. Et tu grandis. Ah, pardon, mon amour, je t'ai fait mal? Pardon, je te mange. Pardon, ma princesse, je t'ai pas fait exprès. Pardon, ma vie, pardon. Pardon, mon amour. Mais pour pas, je vous disais, vous mettez un litre d'eau. Attendez, je les calme, parce que là, je peux plus. Là, mes poupettes, vous mettez un litre d'eau avec 3-4 cuillères de cure. Soit vous pouvez le boire froid quand vous l'avez filtré, maman, ou chaud tout au long de la journée. Vous choisissez, thé froid ou thé chaud. Ce qui est magnifique avec ces thés, les filles, c'est qu'ils ont sorti des saveurs. Avant, sachez qu'il n'y en avait pas. Pour mes poupettes, qu'ils ont connu Wonder Nana en 2020-2021 grâce à moi suite à l'accouchement avec Serena et tout. C'était du pur, hein, les filles. Il n'y avait pas de... Oui, mon amour. Il n'y avait pas de senteur. Là, vous avez menthe, vous avez pêche, vous avez fruits rouges, vous avez tout. Oui, ma vie. Tu veux mélanger un petit peu? Vous avez, maintenant, vous avez des goûts, les filles, des senteurs. C'est grave agréable à boire, vraiment. Donc là, mes poupettes, votre thé est prêt. Donc là, vous pouvez éteindre le feu. Ensuite, vous allez venir filtrer, voilà, le thé. Et vous allez le boire tout au long de la journée. Détox, brûle-graisse, perte de poids, ballonnement. Les filles, ça vous nettoie tout le système digestif. Vous vous videz vraiment. C'est vraiment le cas de le dire. Là, avant les vacances, les filles, c'est... Avant l'été, là, si vous voulez un beau petit ventre et tout. Franchement, les filles, magnifiques, hein. Et après, vous faites un petit peu attention à votre alimentation quand même. Non, les bébés, c'est interdit, mon amour. Donc par contre, les filles, pour la cure express, celle-là, s'il vous plaît, c'est interdit femme enceinte allaitante parce qu'elle est vraiment trop puissante. Je vais vous faire une petite description des cures quand même pour celles qui veulent choisir. Mais pour 10 euros, vraiment testez, vous allez voir, les filles. C'est une dinguerie. Celle-là, c'est une 7 jours, les filles. C'est une dinguerie. Thank you.
Alors, tu vas montrer c'est quoi du matcha de chez Milo Matcha. C'est trop bon. Mais par contre, tu vas pas dormir, je pense. Jure. C'est énergisant. L'experte en matcha va commencer son expérience. Nous, franchement, c'est bon. Mais pour être voisine, prothésiste, onculaire, séparation de bagarre. Elle occupe tous les plans. Alors, vas-y, dis-nous. Alors, du coup. Tu vas pas faire ta pub là. De quoi? Tu vas pas faire ta pub? Non, non. Ils sont petits, les pauvres bébés. Ouais, franchement, mais la marque, elle est trop, trop bien. Ok. Sans déjà. Mais ça sent pas la vanille, hein. Ouais. Pas trop, mais toi tu trouves que pour du matcha, mais ça sent, ça a pas le goût de vanille hein, par contre. Ok, mais franchement c'est bon. Ok, et en plus tu vois vite des effets sur la peau et tout, je trouve. C'est vraiment vrai? Ouais, franchement. Bah, je l'ai payé donc oui. Enfin tu vois, c'est dans le sens où voilà, je voilà quoi. Donc là t'as... j'ai aucun intérêt à dire que c'est bon si c'est pas bon. Ok, bon, en plus toi t'es tellement franche. Ouais, voilà, cool. Donc là t'as mis un fond d'eau chaude. Alors ensuite il faut une petite cuillère en bois comme ça. Vas-y. Ok, et allons-y comme ça. Ok. Je viens mettre dedans. Ouais. Je t'en mets peut-être pas trop. Alors ensuite. Alors maintenant il faut touiller en M. Ok. Genre comme le nom de la marque, genre. Voilà, ou en W, tu vois. Mais c'est important de touiller comme ça pour pas qu'il y ait de grumeaux. Ok. Non, pas touiller comme ça. Ok. Et quand il y a plus de grumeaux, c'est bon. Ok. Alors ensuite. Ah. Allez, vas-y, je reviens. Oh, maintenant, tu mets un peu de lait dans le verre. Ah, les filles, j'ai peur. J'ai pas envie de faire de la mauvaise pub si j'aime pas ça, le problème. Non, c'est franchement, ça que c'est bon, t'inquiète. Comme ça? Encore, hein, encore. Encore, encore, en fait, encore. C'est du lait, en fait. Voilà. Ok. Et maintenant, on peut le verser dedans. Ça peut se boire chaud aussi, hein. Okay. Là, tu vois, il y en a vraiment pas beaucoup, donc... Normalement, tu dois en mettre plus, hein. Ah, parce que tu m'as arnaqué, là. Tu peux en mettre plus, mais moi, j'en mets pas trop. Pas que ça a un goût non plus trop prononcé, surtout au début. J'ai peur là. Donc, franchement, tu vas voir, c'est bon. Ça passe bien comme il y a beaucoup de lait. Ah, comme il y a beaucoup de lait. Les filles, je vais tout vous dire. Non, vraiment. Elle dit, si tu me regardes, quitte cette story. Ça me dit arrière-goût, mais en vrai, c'est bon. Toi, t'es vraiment venue pour te foutre de ma gueule. Non, attendez, ça je vous explique. Goût, mais c'est bon. Je vais tout vous décrire. Attends. Attends. Alors les filles, je vous disais, on va la retenter parce que là, je veux vous décrire en fait le goût exact. Et en plus, ça, c'est de l'aromatisé à la vanille. Est-ce que du coup, tu sens quelque chose? Non. Comparé à un matcha classique? Non. Je ne sens pas la vanille par contre. Ok, alors. Bah, apparemment, la formule, si je me trompe pas, elle a été revue pour que ça ait plus le goût de vanille. Mais je suis pas sûre. Franchement, les filles, là, je sais pas quoi vous dire. Genre, en gros, c'est du lait. Là, c'est du lait. Ça a un petit arrière-goût, mais en vrai, je trouve que ça passe. Mais j'ai vu que des gens qui disaient qu'il fallait en boire plusieurs fois pour aimer le goût. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est vrai. Ou c'est plusieurs fois pour faire l'américain. S'appeler Brian. C'est plus pour s'appeler Michaela qu'il faut en boire plusieurs fois. Franchement, les filles, en gros, après, si c'est bon pour la santé, tu peux en boire. Genre, c'est pas du tout dégueulasse. Non, c'est pas dégueu. Au début, c'est un petit arrière-goût, mais en. Mais en gros, pour moi, ça passe mieux avec du sucre et tout. Mais je sais pas si les bienfaits sont. Ben, il y en a qui mettent du sirop d'agave en même temps, on de l'ananas. Tu veux quoi là? Comme ça. Tu veux quoi? Ça. Ça? Beurre confiture? Et toi? Ça. Ça aussi? Ouais. On a croissant. Mais vous avez déjà déjeuné? Mais on a encore faim. Oh là 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 là. Je veux voir vos bobos. Non, non. Enlève-lui le pansement que tu es en train de lui mettre. Je veux voir, il est où son bobo? Viens montrer ton bobo. Viens montrer ton Didi. Vas-y, montre. C'est bizarre, il n'y en a pas de bobo. Oh, pourquoi vous inventez des douleurs pour mettre des pansements? C'est quoi? Et... Non? Vas-y, bah viens. Viens montrer ton bobo. Il est où carrément? Ah, il est derrière, vas-y, montre. Il est là. Mais il n'y a aucun bobo. Il est trop mal.